Ben oui, Dan, c'est mes lunettes. Quand tu files le matin, là? Moi? Ouais? Ouais. Pas trop soufflé? Oui. Oui, OK. Pas en tarte aux bacanes, Dan? Non. Non, 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 non. C'est la ceinture qui est trop serrée. Oui, c'est ça. OK, OK, OK. Le loup a changé de charbon. Ah, c'est le savon. Si le lait aurait pissé, Dan? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle veut économiser. Ah, c'est ça. Elle prend le savon plus cheap. Ah, OK. Puis là, ton linge aurait pissé. C'est ça. OK, je comprends. Tout. Bon matin, tout le monde. Bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Ça va être live un matin. On est en direction de... On s'en va au lac Frottet de la réserve Wakonichi, Albanel, Mistassini. Puis... un matin, ce qu'on a voulu faire, c'est, tu sais, d'habitude, je suis le temps bien assis, bien relax. Fait qu'un matin, ça va être dans le pick-up en montant directement au lac. Puis je vais vous montrer comment ça marche ici, quand on part, puis qu'on s'en va après. Ça va brosser en assis, je m'excuse, un matin, là. Ça, c'était pas prévu, là. Mais ça va être comme ça. Mais je vais vous montrer l'équipement que ça prend. Ben, l'équipement que j'utilise quand que je vais après. Là, je parlerai pas de la pêche, je parlerai pas rien de ça, mais on va parler des vêtements, on va parler du GPS. Mais on va vous montrer ici. À toutes les fois, parce que au Waco, quand tu viens en pêche, ils t'assignent des lacs à tous les jours. Okay? Il y a un tirage au sort pour les lacs les plus populaires. Ça veut dire que c'est les lacs où est-ce que le potentiel est vraiment effrayant, que la moyenne de doré est plus grosse, puis la moyenne de brochet est plus gros aussi. Mais à part de ça, ben c'est tous les lacs que tu as accès, puis là, ils vont t'attitrer des lacs, puis tu essaies de ne pas avoir le même lac à tous les matins, à tous les jours pour pouvoir le faire. Nous autres, ce qu'on a fait, on a fait deux jours de doré, une journée à grise sur le Waco hier qu'on a fait, moi et Richard. L'équipe de feu, elle, a pris un break, a décidé de faire la vaisselle, parce que la vaisselle, t'as pas faite. En tout cas, vous savez comment c'est. Fait que hier, on est allé, on n'a pas pêché beaucoup, il faisait pas beau. Ceux qui ont vu, là, j'ai mis sur... je me souviens plus où, là, mais je l'ai mis en quatre ports, en tout cas, là, une tempête de vent, puis elle commence à rentrer sur le lac. Fait que c'était so-so la température le matin, fait qu'on a pris ce cool, t'allais faire les commissions, puis après ça, on a mis le boat à l'eau. On est allé à Grise, on a poigné trois grises hier, mais on n'a pas pêché longtemps, je vous dis, on n'a même pas pêché deux heures. On les a pris, on les a essayé au début avec des cuillères argentées, style... William, des enfants de la mer avec gel déperlant, ça n'a rien donné. Puis après ça, on a décidé de switcher ça de bord au poisson nageur et là, bang, 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 puis là, elle était dedans. On prenait la grise hier dans le 30 à 50 pieds qui était taker, fait que c'est là qu'on les a attrapés. Fait que hier, on est revenu, puis ça a été un peu la journée, là, un peu relax. Vraiment, on s'est fait. On a un traiteur hein, qui vient faire à manger qui s'appelle Steph Monette. Et hier, on a fait une paella au doré puis aux crevettes avec un riz. Il y a plein de personnes qui ont dit « C'est quoi la recette? » Ben c'était pas compliqué. On achète du riz toute prête, là, quasiment toute prête d'avance. Puis fait sauter des légumes, mets un petit peu d'ail, saute le riz là-dedans. Après ça, on a ajouté fait des bouchées de doré. Tu fais des cubes d'un pouce par un pouce. Tu sautes ton doré enrobé de chapelure, puis les crevettes, la même affaire, puis on a mis ça un petit peu d'ail dans tout ça, puis on a mis ça dans le riz, puis badang, le lunch était fait. Mais c'était pas payé là, en tout cas, il y en a pas resté, fait qu'il faut croire que les testeurs, ils ont passé, puis tout était aux toilettes après, puis personne t'a bouché, fait que c'était bon signe en tabarouette hier. Mais après ça, ben, quand qu'ils te donnent ton lac, ben, tu as ton droit d'accès, tu as un papier qu'il faut que tu laisses dans ton véhicule à tous les jours pour dire au lac où est-ce que tu es. Puis, vraiment nice, ils te donnent une carte du lac où est-ce que tu vas avec les endroits où passer pour arracher les pieds de moteur. Puis après ça, ben il y a aussi sur la carte, là, je vais vous le montrer, mais il y a les spots déjà. Fait que c'est quand même, ça t'évite de perdre du temps et de voir où est-ce que comment est-ce que c'est, puis tout le kit. Fait que tu sais, c'est... vraiment, vraiment bien organisé. Puis le setup, il est magique. C'est vraiment magique. C'est un camp qui a été bâti dans les années 30. Puis c'était un club privé avant. Puis vu que les accès au bord de l'eau sont pas évidents, ils ont fait des quais qui rentrent dans l'eau. Fait que pour les bateaux, c'est super nice. La place est vraiment paradisiaque ici. C'est vraiment beau. Après ça, qu'est-ce qu'on prend quand on va dans... Parce que là, on rentre dans Bay James. Un matin, on va faire 98 km sur 98-100 km. C'est la route du nord pour monter vers la baie James. Fait que, une couple de petites patentes que ça prend pour être sûr que s'il arrive de quoi, ben qu'on puisse un peu se démarder. Puis
Puis la première affaire, ben, c'est le linge. OK? Fait que moi, un matin, je vais vous montrer ça de même. Je suis Sitka avec les pantalons. Tu sais, j'en ai déjà parlé. C'est les pantalons que je porte tout le temps. Hein. J'ai les mains pour aller à la chasse, j'ai les mains pour aller à la pêche, j'ai les mains pour aller partout. Un chandail en mérino un matin. Après ça, s'il fait froid, ben j'ai ma doudoune qui est fermée que je vais emmener avec moi, je vais aller dans mon sac à dos. Puis dans mon sac, je vais vous le montrer, ça va être plus simple, checkez bien ça. Dans le sac, j'ai mon impair, ok? C'est les fameux impairs Sitka que je vous ai déjà parlé, là, qui se plient en mille morceaux. Après ça, trousse de survie. S'il arrive de quoi, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. J'ai mes pantalons, je ne sortirai pas tout un matin, ils vont me donner un break. J'ai mes pantalons d'impair, s'il arrive de quoi. Le fameux sleeping bag que je vous ai déjà parlé, je trouve ça écœurant, s'il arrive de quoi. Tout le temps en prévision de s'il arrive un... Mettons que le Ford, il arrive un trouble. Là. Ben, eux autres, ils vont geler, mais moi, on va bien dormir. C'est juste de même. Sans détail de vous dire à quoi ça sert ça, vous savez à quoi ça sert. Puis, après ça, le plus... Hé, tabarnak, hein? Ça brasse ce matin, Jacques! Puis après ça, ben pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est le GPS. Là, il est après chargé le matin, là, je suis après chargé dans l'auto. Mais le but de l'exercice, c'est que en plus, quand on va être là-bas, s'il arrive de quoi, ben on peut revenir pour pas se perdre, là, bien entendu. Mais l'autre affaire, s'il arrive un inconvénient, ben il y a le InReach intégré, puis on a le système là, qui est ici sur le côté, que tu pèses dessus. Puis s'il y a de quoi, les secours vont s'en venir. Ah oui, puis une autre affaire. Ça a fait vraiment le voyage, par exemple. Je suis capable de vous montrer ça. Bon, j'en ai déjà parlé dans genre le petit GPS, le petit sonore Garmin avec GPS intégré. Ça, c'est vraiment ça coche. Je vous le dis là, qualité-prix. Je vous donnerai le modèle plus tard là, mais pendant qu'on pêche, pour marquer les trous, pour il y a les cartes marines dedans. Vraiment un bon achat. Puis vraiment de quoi ça coche. Portatif avec la suce, les suces ils ont évolué, ça colle bien après bateau, ça nous permet de lire les structures, puis ça fait vraiment la différence. Fait que ce petit Garmin là que je vous ai déjà montré, je le top of the notch de tout ce que j'ai eu. La seule affaire, je disais à Yann, probablement ce que je ferais, c'est que le prochain, il va avoir l'écran un peu plus grand, parce que là c'est un petit écran. Fait que j'agrandirais l'écran, puis je prendrais plus une grande écran la prochaine fois. Puis un autre coup de cœur. Et on parle d'approvisionnement, puis les approvisionnements sont pas faciles, puis c'est pas toute la patente, on le sait. J'avais pas de bottes. J'avais emmené mes bottes de chasse, mais j'avais plus de bottes de pêche. Fait qu'on a arrêté à la boutique à Chibougamau. Il y a qu'une place où tu peux aller t'acheter du stock. Fait qu'on a arrêté à la boutique à Coton, à Chibougamau. Puis ça, sont vraiment pas donnés. Hein? C'est des aigles. C'est des bottes. C'est comme les chameaux faits en France, mais... je les aime mieux que les chameaux, moins francs que vous autres. J'en ai eu des chameaux avant, puis je les trouve vraiment hot. Puis en haut, elle vient, t'es capable de la serrer pour qu'elle serre ton mollet. Pour pas, c'est des bottes qui sont tellement excellentes. C'est beau, père, tu peux y aller, il n'y a pas de stress. OK. La beauté de ça, là, vraiment la beauté de ça, c'est que ces bottes-là, quand l'eau rentre dedans, elles ne sortent pas, je vous confirme. Je l'ai vraiment essayé. Et, fait que ce que tu fais, fait, j'ai pas pensé parce que, tu sais, je les mets comme ça. Puis, je saute dans l'eau, là, jusqu'au genou. Il n'y a pas de trou parce que les bottes viennent jusqu'au genou. Puis, quand que j'ai embarqué dans le boat, ben, j'ai fait un mouvement up and down. Puis, les pantalons étaient pleins d'eau. Fait que l'eau a monté sur mon mollet, puis a rentré dans mes bottes. Alors, l'attache en haut sert vraiment à ça, à bien serrer votre mollet au-dessus pour que si tu fais une niaiserie comme Steph a fait, ben, tu rempliras pas tes bottes. C'est à ça que ça sert. Fait que, c'est grosso modo. Puis, naturellement, un voyage comme ça, ben le sac à dos, vous le voyez là. Le sac à dos, si vous avez une chance, là, moi j'ai pris mon sac à dos d'oiseau migrateur. Attendez, là, je vais le placer. Là, on va le monter de ma tête. Vous allez le voir comme ça. Mon sac à dos, c'est mon sac à dos de migrateur. Mais essayez d'avoir un sac qui est imperméable parce que souvent dans le fond des bateaux, il y a de l'eau naturellement. Puis n'oubliez pas de mettre la plug. On n'avait pas assez vissé la plug pendant un matin. Et je trouvais que le niveau d'eau montait plus vite dans le bateau que dans le lac. Et il a fallu écoper. Alors, des petits détails dans même. Mais tu sais, quand t'arrives,
tout faire attention, tu sais, d'être watcher vos plugs, vos moteurs, que tout soit en classe. Tu sais, ici, on a loué un moteur parce que mon père avait amené le sien, puis il nous en manquait un, fait qu'on a loué un 9.9. C'est toutes des machines neuves, c'est tout. C'est vraiment, vraiment bien fait. Fait que, ben, pour revenir au sac, essayez d'avoir un sac imperméable que quand tu es dans le fond du boat, ben, s'il y a de l'eau, n'importe quoi, ben, ton stock que tu vas avoir à l'intérieur de ton sac, tu ne le mouilleras pas. Et d'autres affaires que j'ai oublié de vous parler. Tout le temps, j'ai tout le temps ça, au cas où, pour le cellulaire, une batterie de spare pour pouvoir charger, mes affaires. Ça, c'est celle de Bolly, OK, qu'on sert pour les caméras de surveillance, mais ça peut être aussi un power pack. Fait qu'il y a ça. Puis, dans l'autre poche, j'ai des noix que je traîne toujours avec moi, au cas où, de quoi. On amène de l'eau. Puis, j'ai une bouteille de stuff à bébite parce qu'il y a légèrement des insectes piqueurs. Sur le secteur. À part de ça, ben, ça prend des bons chums. Regardez ça, c'est tout bien tranquille. Tout le monde est bien assis. Mon oncle Danny aussi. On a ici, on a tout un chauffeur privé qui fait un job. Fait que c'est à peu près ça. Fait que c'est le même, ça se passe. Quand on va en pêche, ben, les quatre bodies, on part, puis on a tous nos équipements. Il n'y a pas beaucoup de stock, par exemple, la boîte est pleine à côté au rebord, au cas où qu'on manquerait quelque chose. Fait qu'on est, tu sais, vous savez comment c'est. Mais 2-3 cannes, 3-4 coffres. On est bon pour être passé à peu près 10 ans s'il arrive de quoi, manger du doré, manger du brochet, mais on a du stock en marche pour les poignets. Fait que c'était on jase directement sur le terrain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Hein. Il y a un paquet d'affaires qui s'en vient là, que j'ai eu des gars hier qui m'ont dit qu'il y avait des rencontres au ministère. C'était très bien. Puis ah oui, j'ai eu une bonne nouvelle, là. La coupe de bois en Gaspésie, c'est mon chic-choc. Le ministère a coupé 800 arbres qui ne couperont pas, qui vont laisser en forêt vierge pour protéger les monts Chic-Choc. Alors, ça commence à rentrer. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Si vous likez, partagez, invitez, faites le tour des médias sociaux, vous montrez que vous êtes actifs. Puis ça prend pas grand-chose, hein? Juste le partager, là. Regardez en bas, à droite, là, un bouton partager. Tu partages, tu payes sa petite flèche, pas obligé de mettre de commentaires. Juste le partager, vous likez, puis un bonhomme sourit, puis la job est faite. Puis nous autres, ben, ça nous permet, quand c'est le temps, de demander et faire ce qu'on veut faire pour que la faune soit meilleure. Alors, passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Et nous autres, on se voit demain. Hey, je m'excuse, hein, on jase, il est plus tard aujourd'hui. Il va être, en fait, là, vous autres, vous allez le voir à soir, mais nous autres, on part un matin. Mais, t'es trop présent d'aller en pêche. Fait que les internets, t'as passé vite. T'as passé vite pour notre pêche aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que vous l'avez à soir. Fait qu'on se voit demain, tout le monde. Attention à vous autres. Ciao.